Eh bien, c'est tout le monde, c'est Benoît Alcar, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur NBA 2K20. Et aujourd'hui, on est dans le mode ma carrière dans le quartier. Et je vais vous montrer des petits matchs que j'ai fait dans le quartier. J'en fais très rarement. Mais quand j'en fais, il se passe des belles choses. Ce qui me dit que je devrais jouer plus souvent dans le mode dans le quartier. Parce que. Hein, mais on va dire que mes compétences dans le mode My Team se retranscrisent très bien dans le mode. Dans le mode ma carrière, dans le quartier. Je dirais même, c'est encore mieux même, parce que voilà, tout le monde est obligé de faire de l'on-ball defense, si vous voyez ce que je veux dire, alors que dans le mode mon équipe, les gens peuvent faire de l'off-ball, donc laisser les bots faire leur travail à la place, alors que là, c'est vraiment le niveau intrinsèque du joueur qui va faire la différence, et je veux pas dire que je suis un peu bon, mais ça va, m'en sors pas bien, m'en sors plutôt bien, vous allez voir ça. Donc des fois, quand je fais, les seules fois, rares fois où je fais des dommages dans mon quartier, c'est quand, pour ceux qui jouent souvent dans ma carrière, tous les jours, il y a un petit défi quotidien pour vous donner des WC. Donc tous les jours, ça change. Soit c'est faire juste des matchs dans le mode de ma carrière, soit c'est faire un triple-double, soit faire des flash dunk, des dunks pour minimum à chaque fois. Ça peut aller de 1000 WC jusqu'à 5000 WC. Donc c'est toujours sympa à faire. Donc moi, souvent, je fais ces défis journaliers là en même temps que je fais un match dans le mode ma carrière. Mon perso, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui n'ont pas trop suivi mes vidéos ma carrière, c'est un poste 3, c'est un pippen en fait tout simplement, c'est gros défenseur, c'est un meneur défenseur on va dire. Qui peut shooter aussi à 3 points de temps à autre, vous allez voir ça sur ce match là, il a 67 à 3 points je pense, donc mon joueur il a 99, hein, pas. Il est au max, tous les badges, j'ai amélioré tous mes badges, il est parfait mon joueur, et franchement je pense que l'année prochaine aussi je vais faire un pippen. Les autres années j'avais fait quoi, j'avais fait un Jordan, j'avais fait un Chris Weber. J'avais fait aussi moi, je m'étais fait moi, donc un petit joueur, un petit meneur d'M79. Je sais pas si c'était fun à utiliser, mais bon, je pense que Pippen il me correspond le plus parce que gros défenseur. J'adore défendre. Pour ceux qui me regardent mes vidéos dans le mode de mon équipe aussi, moi je prends beaucoup de plaisir à défendre. C'est comme ça qu'on gagne des matchs, et vous allez voir que ça va être comme ça qu'on va gagner le match. Hein. Même si voilà, vous allez voir que je sais pas, vous avez fait attention, mais voilà. Enfin, c'était un groupe de 3, donc les mecs étaient en groupe. Hein. Et moi j'étais tombé, je joue toujours avec des randoms, j'ai personne avec qui jouer dans mon quartier à chaque fois. Je joue souvent avec des randoms, donc j'espère à chaque fois que les randoms soient bons. Ils étaient pas ouf les randoms, mais on va dire que les mecs en face étaient pas bien mieux, même s'ils avaient des meilleures notes que mes joueurs, que mes coéquipiers on va dire. En plus les mecs pouvaient mettre des. Vous allez voir qu'ils vont avoir souvent des shoots ouverts à 3 points les mecs en face. Mais moi ils vont pas les mettre, ils vont pas les mettre. Ce qui me choquait en plus dans ce match là, c'est que notre poste 5, notre on va dire pivot, notre big man, il défendait absolument pas le big man adverse, alors que dans la description, là, dans à chaque fois quand ça, le match débute, tu peux voir c'est quoi la spécialité du joueur, et c'était un stretch 5, donc un stretch 5, c'est un big man qui peut shooter, quoi, donc et à chaque fois, il le laissait tout le temps ouvert. Heureusement, je pense qu'il va en mettre qu'un seul, donc heureusement pour nous, parce que sinon, on aurait perdu, regardez, à chaque fois, il est tout le temps ouvert, et je sais pas pourquoi il shoot pas. Il aurait dû shooter, parce que moi, le petit nain, là, je le garde plutôt bien. Vous avez, j'aime beaucoup défendre. Oh mon gars, il bouge bien en défense, j'ai un bon doigté au niveau du joystick, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Rentrons pas dans les détails du doigté. Hein. Parlons bien. Oh, et voilà. Défendre, c'est un art, c'est tout un art à défendre. En plus, quand t'as les bons belges qui vont avec, t'as les bonnes notes, regardez, il bouge pas. Hein. Hop, après, faut. On esquive le petit écran, et le mec, regardez, il bouge pas. Le mec, j'ai sûr qu'il y avait que lui, je pense, qui pouvait vraiment mettre de manière constante des 3 points, sauf que. Vu que je le garde plutôt bien, ça ne rentre pas. Malheureusement, là, il met le mec qui met une barrière dans le corner. Enfin, ça rentre de leur côté. Mais voilà. Alors, dit commence à chauffer. J'espère que vous l'entendrez pas en fond. Là c'est pas la console qui fait du bruit, c'est l'ordi. Parce que là, on est sur l'ordi. Mais voilà. Je devrais peut-être jouer plus souvent dans le mode de ma carrière. Dans le mode dans le quartier. Après, je sais pas c'est quoi si c'est le mieux dans le quartier. Si c'est de faire bah, le playground, là, sur. Ou de faire le 5v5 dans le Pro Aim. Là. Après, je connais pas tous les modes. Le rec, c'est le rec aussi qu'il y a. Après voilà, je pense que c'est mieux quand même de jouer avec des gens, hein, pour être sûr de bien gagner. En plus, moi, je prends. Avec moi, il y a beaucoup plus de chances de gagner, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je joue vraiment pour l'équipe, la défense, pour mettre les autres joueurs en valeur. Là, malheureusement, vous allez voir que je vais mettre tous les points. Parce qu'il n'y avait pas... les coéquipiers, ils ne pouvaient pas mettre de points, en fait. Donc, il y avait un mec qui avait 62 général, il avait 0 shoot, rien du tout. Et puis notre big man, voilà, il va mettre un point à un moment dans la raquette. Mais bon, à chaque fois, il se mettait pas dans les bonnes conditions pour marquer tranquillement. Donc j'ai dû tout faire un peu tout seul comme d'hab quoi. Mais bon ça me dérange pas mais bon. Quand on a des bons coéquipiers, vous allez voir après les gameplays qui vont suivre, quand on a des coéquipiers qui savent faire des choses, tout de suite je leur fais des passes quand il faut. Il n'y a pas de problème. Mais bon. On verra surtout K21. Parce que voilà, il y a entre le mode My Team,
le mode mon équipe plutôt, on parlait français, le mode mon équipe et le mode ma carrière. En fait, il y a le mode mon équipe, collecter les cartes, avoir les meilleures cartes possibles du jeu, puis avec les récompenses multijoueurs, etc., les récompenses hors ligne aussi. Le mode ma carrière, t'as les matchs ma carrière que j'aime beaucoup faire parce que ça fait gagner énormément de VC, et ça permet d'augmenter très facilement ton perso. Donc, moi, vous avez, il est 99 grâce à ça. En plus, je joue en difficulté Hall of Fame, donc les VC ils tombent bien, l'XP tombe bien. Puis, vu que je fais des bonnes, très très bonnes stats en difficulté Hall of Fame, bah, mon joueur il est toujours 99 de général. Sauf que voilà, il y a ça. Puis après, il y a aussi la partie du. Par rapport à la partie en ligne du mode ma carrière, ou avec le quartier, les modes 5v5, 3v3. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire hein, sur ce jeu-là, quand même si il y a beaucoup de choses à faire. Donc, faut savoir un peu sur quoi faut se concentrer, quoi. Donc, je peux pas tout faire. Moi, j'aime beaucoup jouer à Call of. Après, quand Touquet 21 sortira, il y a aussi Call of qui sortira dans les mois qui vont suivre aussi. Donc, faut gérer son temps de manière optimale. Bon, après là j'ai un peu plus de temps parce que je travaille pas en ce moment à cause du virus là. Mais voilà, ça va être compliqué de gérer son temps. Enfin bref, et voilà, on verra bien d'ici là qu'est-ce qui se passera. Et puis voilà. Et après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Est-ce que regardez-moi ce shoot à 3 points. Je dois avoir 67 à 3 points si je dis pas de conneries. Et j'ai même pas fait de barre verte en plus, et c'est quand même rentré. Le shoot un peu contesté en plus. Franchement, beaucoup de chances qu'il rentre ce shoot là. J'aurais dû jamais rentrer. Tant mieux pour nous, hein, parce que ça nous fait prendre une petite avance en plus. Donc ça passe tout le temps, ça les mecs. Ce qui est bien, voilà, c'est que comme je vous disais, si t'as un minimum de niveau, étant donné que les mecs ils sont obligés de contrôler leurs joueurs en défense, bah, les mecs à chaque fois c'est des chauds lapins quoi, ils sautent tout le temps. Tout le temps ils sautent, donc t'as juste à faire une feinte, les mecs sautent, après t'as juste à finir tranquillement au cercle à chaque fois. C'est automatique quasiment. Et si en plus t'as un shooter, t'as un coéquipier qui sait très bien shooter à 3 points, ton gars il reste à 3 points, tu fais la feinte, les mecs ils sautent tous. Donc soit tu finis au cercle, sinon tu recevras 3 points. Donc là attention, interception, et là qu'est-ce qui va se passer? Attention. Hop, petite feinte, hop, dans ta gueule Yvonne, barre verte, 3 points, victoire. C'est toute beauté. Franchement c'est magnifique ça. C'est 20 points. Même pas besoin de faire de passe, pas besoin de faire de rebonds. Pourtant j'aime beaucoup prendre des rebonds, mais là il n'y avait pas besoin. Notre copain là, il s'en occupait, puis moi je courais en contre-attaque, vous avez pu voir ça. Pour aller marquer les points faciles, mais voilà, franchement. La dernière action, c'est vraiment l'action typique que j'aime faire. Grosse, je fais ce qu'il faut en défense, l'interception, et là je pars en contre-attaque, et là franchement j'ai fait le gros bâtard. Franchement, dans le mode de mon équipe, je peux me permettre de faire ça, et là, dans le mode de ma carrière, je l'ai fait. Alors que mon gars il s'est pas shooté à 3 points, mais bon, je sais pas. Là c'est pas assez crème, c'est pas assez crème. Le mec il s'est fait avoir à la fin, j'ai pu mettre en plus la barrière tranquille. Donc pour ceux qui se demandent aussi, mon shoot à 3 points c'est. Enfin mon jump shot c'est le jump shot de Jordan. C'est pas le meilleur jump shot du jeu, mais bon, c'est un jump shot que je maîtrise très bien. Donc voilà pourquoi je l'ai utilisé. Ouais, franchement, magnifique cette fin de match, magnifique. Donc là on passe dans le mode. Dans les cages. Donc souvent il y a des défis dans les cages. Souvent c'est faire genre un match. Ça vous met 5 matchs, mais vous en faites un, vous avez 2500 laissés. Donc là, c'était même pas ça le cas de ce gameplay là. En fait, j'avais dans la roue là de la fortune. Pour ceux qui savent pas, il y a une petite roue hein, tous les jours. Vous pouvez faire tourner la roue pour essayer de choper des VC ou des bonus par rapport au mode de carrière. Là, j'avais chopé le bonus 5 heures de double VC. Donc pendant les 5 heures que j'allais jouer au mode ma carrière, j'allais avoir double VC par rapport à ce que je gagnais. Donc, et j'ai vu aussi un défi journalier dans cette journée-là. Il fallait que je fasse une passe à l'alley-oop et que je réussisse un alley-oop, une finition en alley-oop durant le même match, si je dis pas de conneries. Donc je l'ai fait durant cette journée-là, donc ça m'a donné aussi 2000 VC. Donc sur ce journée-là, je pense que j'ai gagné plus de 10 000 VC en jouant dans les cages là. Je joue jamais autant dans les cages, mais bon. Là, en fait, j'avais 5 heures de double VC, donc j'en ai profité. Puis je suis tombé avec une bonne équipe. Deux gars qui étaient en groupe, je pense. Donc le gars là, qui a la balle dans les mains, c'était un shooter à 3 points. Donc c'est parfait, j'ai envie de dire. Et l'autre, c'était, il avait un général plutôt faible, mais c'est un gars qu'en fait il est là pour défendre la peinture en fait et prendre l'air bon. Donc c'est, il a, chacun avait son rôle en fait. Moi, j'étais plutôt le gars qui va aller plutôt souvent, même si le gars qui shoot à 3 points montait la balle, je montais aussi souvent la balle moi aussi. Parce que voilà, en fait, le fait de monter la balle, moi, c'est que le mec restait campé à la ligne à 3 points, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je le fixe à l'intérieur, vu qu'on est dans les cages là. Mon gars, quand il saute, les mecs, ils sont tout de suite en déséquilibre. Donc, franchement, après, c'est facile pour le mec à 3 points d'enchaîner. Même si voilà, les mecs peuvent contrer les shoots à 3 points dans ce jeu, dans ce mode là, dans les cages. C'est pas.
Ça c'est magnifique, c'est le dunk, tape un dunk normal, alors que j'appuie pour faire un double, un dunk avec les sauts. Donc pour faire le dunk avec le saut là, vous, avant d'arriver sur le truc en contre-attaque, vous oubliez double, vous faites double carré, et ça va vous faire un dunk en contre-attaque. Faites-le pas trop tard, sinon ça va vous faire une animation de layup. Donc faut le faire vraiment au moment où bien 1 mètre avant d'arriver sur le truc, 2 mètres même avant d'arriver sur le jump en contre-attaque, hein, parce que s'il y a des mecs déjà dans la raquette en train de vous attendre, ils vont vous contrer en arrivant. Mais voilà. Donc là franchement on avait une équipe vraiment très bonne, vraiment bien équilibrée. Et je pense que j'avais jamais joué autant dans le quartier à la suite en fait. Je pense que j'ai fait 2 heures de suite dans le quartier dans les 4 déjà avec cette équipe-là. Et on a fait plus d'une dizaine de victoires de suite. On en a fait 12 je pense en tout. 13. Et encore la série elle s'est arrêtée, vous allez voir après, parce que le mec il a bugué en début de partie. Notre shooter à 3 points il a bugué. Il s'est fait déconnecter alors qu'il avait pas quitté après la dernière partie. Donc malheureusement elle s'est arrêtée à cause de ça la série. Dommage. Dommage. Mais voilà, franchement, c'était vraiment fun parce qu'on a. Franchement, on les a tous torchés, les mecs qui sont arrivés sur le terrain. Je pense que là, vous allez voir le match le plus facile qu'on a eu à faire. Donc, c'est ce match-là et le plus difficile qu'on a eu. Et encore, le match le plus difficile, c'est parce qu'en fait, le mec, comme je vous ai dit juste avant, dans le dernier match, le mec, il a. Je sais pas, il a déconnecté, il a dû bugger juste avant le début du match. Donc, du coup, on a joué en 2v3 tout le match avec le big man là et pas le mec qui shoot à 3 points. Même si, voilà, le mec, il se fait remplacer par un bot. C'est remplacé par un bot, mais bon, le bot il sert en défense, mais en attaque il sert à rien. Vous allez voir, de toute façon, j'en reparlerai dans le match, mais bon. Mais bon, franchement, c'était vraiment fun les 2 heures que j'ai fait dans le mode dans les cages là. C'est toujours plaisant quand tu tombes sur des coéquipiers qui tiennent à leur rôle et qui font bien ce qu'ils font en fait, tout simplement. Donc, souvent en fait, sur les matchs, ce que je faisais, quand je remontais la balle, je drivais vers le cercle, j'appuyais sur L2 pour. Me mettre au poste en passant sous le cercle. En fait, quand vous mettez sous le cercle, après vous faites juste une petite feinte en appuyant sur carré. En fait, vous faites comme si vous allez faire un drop step. Le mec saute, donc soit après vous finissez au cercle tranquillement, ça vous fait une animation tranquille de layup sans aller sur les trampolines. Soit en fait, quand les mecs sautent, je ressortais sur le mec à 3 points et il finissait à 3 points tranquillement avec une barre verte. Vu que les mecs ils étaient en l'air quand j'ai fixé au cercle et que les mecs ils ont sauté dans le vide. Je sais pas si je vais le faire là, non. Souvent aussi, je faisais ça aussi des fins. En fait, les mecs étaient tellement nuls en face que j'avais même pas besoin d'aller au cercle, qui sautait dans le vide en fait. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que voilà, faut pas hésiter à faire des feintes. Hein. Les mecs, voilà, ils sont obligés de contrôler leurs joueurs, pas comme dans mon équipe, donc ils font que de la merde. Mais ça, c'est magnifique. Donc là, voilà, j'arrive là, hop, double carré, bien 2 mètres avant le trampoline, et puis vous finissez tranquillement en dunk à chaque fois. Avant, je savais pas que les mecs, je me disais souvent avant, pourquoi les mecs ils font toujours des dunks quand ils arrivent comme ça. En fait, faut juste faire double carré. Faut pas juste appuyer une seule fois sur le carré, ça marche pas. Faut vraiment faire double carré. Et donc voilà. Après voilà, je pense que j'ai pas d'autres choses à vous dire par rapport au gameplay. Là, donc, on leur roule dessus, franchement, par rapport au gameplay. Aussi vite fait. Là, franchement, vous allez même pas voir mes talents défenseurs, malheureusement. Même si voilà, vous les voyez des fois. Il y a des matchs où, franchement, les mecs, ils essayaient vraiment de. Putain, c'est un truc de dingue le téléphone. Tout le temps. Hop, je raccroche parce que là je vais pas mettre pause et les trucs. Oh, casser les couilles du téléphone tout le temps. Mais souvent il y a des mecs qui essayent de faire comme le gars dans notre équipe qui shootait à 3 points. Donc oui, souvent notre gars en fait il se mettait à la ligne, on va dire, des 3 points. Il n'y a pas de ligne de 3 points, mais en tout cas il se mettait derrière l'arc. Ah, franchement, faites-vous cette action là au ralenti. Je voulais aller dunker, j'ai fait double carré, mais sauf que je sais pas, il m'a fait une animation en step. C'est la première fois que je voyais une animation en step. C'est pour ça aussi que je vous mets le gameplay, franchement. Une animation d'Eurostep dans les caches, ça n'arrive jamais. En plus, comment les mecs, ils ont tous été pris au dépourvu. Les mecs, ils ont tous sauté dans le vide, et moi, mon mec, il fait une petite Eurostep tranquille. Franchement, magnifique. Donc, vous voyez là, les matchs à un double WC, au lieu de gagner 400 WC, j'en gagnais 840. C'était magnifique. Donc, voilà, 2 heures, on a fait une douzaine de matchs, là. Comme je vous ai dit, plus ces 2 autres 1000 VC, j'ai gagné plus de 10 000 VC sur la journée. Magnifique. Magnifique. Donc là, on est sur le dernier match. Donc vous allez voir, en fait, c'est peut-être pour ça aussi que d'habitude, là, on voit le niveau des joueurs et tout. Donc là, malheureusement, on ne le voit pas. Donc ça, ça fait chier parce que vous voyez, c'est toujours bien d'avoir un peu des infos sur les mecs contre qui tu vas jouer pour savoir s'ils vont shooter, si c'est des bons shooters ou pas. Comme ça, si tu dois vraiment juste garder la raquette ou garder le périmètre. Mais malheureusement, vu que le mec il a dû avoir une déconnexion juste au début de la partie en fait, donc du coup, là, en gros, au dernier moment de nos stats, il a dû déconnecter juste au début de la game, donc du coup, on n'a pas pu voir
qualité et spécialité des joueurs adverses, ni leur général. Du coup, ça a été un peu... Vous voyez un peu voilà, ce que j'ai fait là. Là, c'est pas rentré, mais voilà. Vous allez vers le cercle, vous faites un carré en mode drop step. Donc ça vous fait une petite animation où le mec il va se tourner sur lui. Et puis si vous êtes bien placé, normalement il va vous faire juste un layup. Malheureusement j'étais un peu trop loin du cercle donc il a loupé, mais bon. Il va vous faire un layup et les mecs étaient déjà tous en l'air, donc après vous finissez tranquillement. Et vous allez voir que ça va être souvent ça ce que je vais faire durant le match, parce qu'en fait malheureusement notre ami c'est un bot. Et du coup il va pas shooter à 3 points, malheureusement le bot. Donc je vais devoir... je vais tout faire tout simplement. Je vais tout faire. Mais ça me dérange pas. J'ai déjà fait pire. Non, pour ceux qui ont déjà vu mes autres vidéos dans les cages, je vous avais déjà montré un gameplay où c'était quasiment du 1v3 quasiment. Mes coéquipiers, j'aurais jamais fait de passe. Je vais marquer tous les points. Donc voilà. Ça me dérange pas. Mais bon. C'était quand même casse-couille parce que du coup ça fait une game compliquée. Alors que je pense que si notre gars à 3 points était là, franchement la game on l'aurait torché comme toutes les autres. Mais bon, le mec il allait pas shooter. Donc là malheureusement mon gars va quand même sur les trampolines, mais bon, il fait l'animation qu'il faut pour enfin il fait pas l'animation qu'il faut, mais on va dire que les mecs ont fait n'importe quoi en face pour que je me retrouve un peu ouvert pour eux, que ça rentre tranquillement. Mais voilà. Pour finir par rapport à la défense dans ce truc là, donc il y a des mecs des fois ils voulaient faire comme notre gars shooter à 3 points, à dribbler au niveau de l'arc, essayer d'avoir un shoot ouvert, sauf que j'ai un bon doigté avec mes joysticks, donc les mecs à chaque fois ils arrivaient pas à passer. Puis en plus, n'hésitez pas quand vous jouez dans les cages à mitrailler carré, il n'y a pas de faute. Donc si vous avez un joueur qui est un bon défenseur, qui a des bonnes stats d'interception, c'est tellement facile de faire des interceptions. Il y a un match où j'ai quasiment fait un triple double, j'étais à plus de 10 points, je devais être à 8-9 rebonds, et j'ai fait 9 interceptions. Donc là j'ai pas, malheureusement vous pouvez pas voir mes talents défensifs, on va dire, parce que les mecs ils allaient vraiment vers que le cercle ces gars là. Mais bon, il y a des mecs qui voulaient marquer des shoots, ils voulaient mettre des shoots, mais ça passe pas avec moi, ça ne passe pas. Enfin bref, vous allez voir un peu le match là du coup, il va pas y avoir de shoot dans ce match là. Je peux mettre des shoots aussi dans ce mode de jeu là, mais bon c'est plus... Je sais pas si vous avez vu dans le match d'avant, il y a un shoot où je l'ai loupé. En fait souvent quand le gars de notre équipe là, le shooter, on va l'appeler le shooter, il avait la balle en main, souvent je me foutais dans le corner et puis j'attendais, voilà, s'il voulait me faire la passe. Des fois ça finissait en barre verte, donc c'était tranquille pour moi. Donc là vous avez un peu là encore. De toute façon je vais faire ça tout le match. Donc je me mettais dans le corner, mais bon, souvent le mec il se débrouillait bien. Puis même s'il faisait la passe dans le corner, des fois ça rentrait, donc c'était nickel. Donc voilà, je pense avoir tout dit par rapport au gameplay. On va parler un peu plus, par rapport à ma carrière. Donc là prochainement normalement, il va y avoir une vidéo dans le mode ma carrière, donc ça aurait pu être aujourd'hui. Donc match NBA, hein, quand je parle de ma carrière, là, pas dans le quartier. Parce que là, je suis arrivé à un match que je vais vous montrer en vidéo, ça va être contre les Lakers. Nous, on est le premier de l'Est, les Lakers sont les premiers à l'Ouest, on est juste à l'entrée des playoffs. Donc on va dire que ça sera peut-être un avant-goût des finales NBA qu'il y aura dans le jeu. Donc là, il a mis une barre verte, sauf que voilà, comme vous avez vu, le bot a enfin shooté, il fait une barre verte, sauf que malheureusement, le mec contre le shoot. Donc c'est dommage. C'est bien dommage. Ça nous aurait bien aidé. Mais voilà. Donc prochainement, donc cette semaine je pense, du coup, parce que en fait je fais des matchs dans le mode de ma carrière. Des matchs NBA quand je vois qu'il y a un défi journalier que je peux faire durant le match. Donc là le défi ne lui correspondait pas à des choses que je peux faire durant les matchs NBA. Donc on verra si demain, mercredi, il y aura un bon défi journalier ou ce sera jeudi, on verra bien. En tout cas voilà, il y aura ça prochainement. Comme qui est avant-goût des finales NBA peut-être. Dans le jeu en tout cas, parce que les Bulls sont pas en playoff, hein, ils sont pas là, ils sont pas à Disneyland pour jouer la reprise de l'NBA, hein, malheureusement. Donc ça sera juste sur le jeu. Vous verrez ça, je vous ferai un petit récap à ce moment-là de ce qui s'est passé jusqu'à là. Puis voilà, après on commencera les playoffs. Hein, je me prends pas trop la tête avec le mode de ma carrière. Comme je dis, je fais des matchs quand il y a pour faire des WC, c'est tout. N'empêche, ça vous fait gagner quand même pas mal de WC, c'est ça qui est bien. Et puis voilà, donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. On va pas trop en parler du match. Hein, on parlera du match en temps voulu. Après voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir dire d'autre? Là, il reste 5 minutes de gameplay, je pense, si je dis pas de conneries. Donc pour ceux qui sont arrivés jusque dans la vidéo, on va faire un petit tour des infos 2K. Donc là, si je dis pas de conneries aujourd'hui, info 2K par rapport au jeu de manière générale, puis au mode mon équipe aussi. Donc là, si je dis pas de conneries aujourd'hui, le 30 juin. On va avoir les premiers... Il va y avoir le reveal des jackets de 2K21. Donc sur les 3 prochains jours, donc le 30 juin, le 1er juillet et le 2 juillet. Donc il y a 3 éditions apparemment, de ce que j'ai compris. En tout cas, il y aura 3 jackets différentes. De ce que j'ai compris, il y aura une édition Mamba, édition pour Kobe. Ce sera l'édition légende, j'imagine.
Donc le moment où je vous parle, au moment où la vidéo sera sortie, il y aura déjà les premières infos, j'imagine. Enfin, la première jaquette qui aura été révélée, donc on verra c'est à laquelle. Mais voilà, on verra ce qu'il y a aussi comme... Quels auront les avantages de chacune des éditions, parce que tous les ans, il y a toujours des petits avantages, hein, des essais supplémentaires, des MT supplémentaires, des packs supplémentaires. Donc on verra bien ce qu'ils donnent de plus, si ça vaut le coup de prendre l'édition légende ou pas. Puis après, il y a quoi? Après, on rappelle, c'est plutôt parce qu'après, au niveau, en tout cas, il y a par rapport à ça, il n'y a pas grand chose. Après, au niveau de mon équipe, il y a un code vestiaire, donc je vous mettrai dans la description, c'est pour choper un pack mystère. Donc, c'est le week-end dernier, pour ceux qui jouent en mode mon équipe, à chaque victoire, on avait un pack mystère. Donc, là, ils ont sorti un code vestiaire pour vous donner un pack mystère. Donc, mais bon, hein, il y a de fortes probabilités que je n'ai pas encore fait le code. Je pense que je vais le faire. Je vais le faire là où. Il y a parfois de probabilité d'avoir une chaussure bronze ou des conneries comme ça, mais bon, on sait jamais, peut-être qu'il y aura une... tombera sur une bonne carte hein, qui se vendra sur le marché, mais bon, il y a des gros doutes. Puis après, hier, ils ont sorti aussi des nouvelles cartes historiques, des cartes historiques throwback. Il y a Carlos Boozer Opal, Joakim Noah Opal, des Bulls, donc ça c'est bien parce que ça va pouvoir gagner mon équipe des Bulls All-Time. Il va falloir que j'arrive à me choper pour pas cher sur le marché. Oui, c'est exactement ce que je vous ai dit, l'action que vous venez voir là, ça m'a fait exactement les animations que je veux à chaque fois. Souvent, il me l'a fait plus souvent cette animation là que l'autre où il saute sur son trampoline sans le vouloir. Mais voilà, vous, petit drop step, vous vous retrouvez juste bien sous le poignet comme il faut, et puis il vous saute pas sur le trampoline où ça vous fait juste. En fait, l'objectif en fait dans ce mode de jeu là, c'est quand même d'essayer d'avoir le plus souvent possible des animations de basket normales. Genre des layups à la con parce que ça va rentrer quasiment tout le temps, ou les shoots. À deux points, bon, c'est pas un shooter, mais bon. Ou des dunks. Ou les dunks. Parce que les dunks, ça est très fort. Il y a très peu de chances que ça loupe. Donc souvent, les alley-oop, ça marche plutôt bien. Ou les dunks en contre-attaque. Par contre, après, si vous voulez mettre des layups, souvent les mecs campent dans la raquette. Donc c'est compliqué de mettre des layups comme ça. Mais bon, si vous arrivez à choper une bonne animation de layup et pas avec des trampolines, ça passe bien. Ça passe bien. Donc vite fait pour ma carrière, mon équipe, du coup, qui a eu ça aussi. Il y a eu Pete Maravich Opal. Quoi après, Stacy Ogman, gardien morose, puis Anderson Varejão, diamant, mais bon, moi il n'y a que Joakim Noah qui m'intéresse dedans. Et aussi, je vous mettrai dans la description, hein, dans la dernière vidéo, avec Kevin, on avait parlé des cartes Players Club, on vous avait dit les cartes qui devraient avoir une nouvelle carte, donc qui serait concernée par ce Players Club là. Donc en fait, chaque joueur qui sera concerné par ça, joueur NBA, sortira un code vestiaire avec une chance d'avoir. Une de ces cartes, donc il y aura forcément une carte garantie. Après, ça ira de Emerald à Galaxy Opal suivant les joueurs. Donc là, les joueurs qui ont été confirmés pour ça, il y a Bol Bol, il y a Rick Pascal qui aura une carte Opal, Jamal Murray qui aura une carte Opal, il y aura Jason Tatum, Kenny Smith Opal, Myers Leonard Opal, PG Washington Opal, Taco Fall Opal. Après, il y aura Dylan Windler Diamant Rose. Muresan, on avait parlé de Muresan, mais ils vont pas sortir une carte Opal exprès pour lui. Ils vont juste ressortir sa carte Diamant Rose qui était déjà dans les packs, et puis une carte Améthyste. Donc à chaque fois, il y a au moins deux minimum deux versions de la carte. Donc une Opal ou Diamant Rose, puis après des Diamants, des Améthystes. Donc là, pour Tatum, je vois qu'il y a, vous aurez la possibilité d'avoir soit sa carte Opal, soit une de ces deux cartes Diamant Rose, soit sa carte Diamant ou soit sa carte Améthyste. Donc là, plus de chance. Il y aura plus de cartes possibles pour Jason Tatum, mais bon, même si je pense qu'il y aura plus de probabilité de chance d'avoir la carte améthyste, hein, et pas ces deux autres cartes, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Après, je vois qu'il y a Isaiah Roby, donc c'est un rookie, diamant rose. Il y aura aussi Justin Wright Foreman, qui aura une carte diamant. Donc là, je vous dis à chaque fois la meilleure carte possible de chaque joueur. Hein. Donc voilà. Voilà. Après, voilà, chaque joueur aura une dérivée de ses cartes. Hein, PJ Washington, par exemple, il aura une carte émeraude possible. Dans les packs, soit la carte émeraude, vous pourrez avoir soit sa carte améthyste, soit sa carte opale. Pareil pour Jamal Murray, lui ce sera une carte rubis, soit une carte ruby, soit une carte diamant, soit une carte opale. Enfin bref, je vous mettrai le lien dans la description avec toutes les cartes, et il faudra checker les Twitter hein, de My Team et puis des joueurs en question. Je pense que d'ici dans la semaine là, il y aura plusieurs codes vestiaires qui sortiront pour obtenir ces cartes là. Donc voilà, donc faudra faire attention à ça parce que ouais, toujours, il y aura forcément toujours des cartes garanties. Après, elles ne pourront pas se vendre sur le marché, malheureusement, c'est des types de cartes récompenses. Mais bon, ça pourra aller d'une carte émeraude jusqu'à une carte opale. Donc voilà. Et souvent, pour certains joueurs, ça sera minimum des cartes améthystes. Donc voilà, ça sera toujours bon à prendre.
Et puis voilà, donc on voyait que on gagne le match, je mets 18 points, 10 rebonds, une passe. Franchement, j'étais dans mes moyennes de points souvent. Bah, dans ce mode de jeu-là, si j'ai pas de conneries, j'ai 30 victoires pour 3 défaites seulement. Alors que sur le Playground, j'ai 4-0. J'ai fait que 4 matchs, 4 victoires. Et dans ce mode de jeu-là, je pense que je suis à 10 points de moyenne, 8, quasiment 9 rebonds si je dis pas de conneries, 3 passes. Et je suis en teammate grade, là, la note de coéquipier, je suis à moins, donc c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, je m'en sors bien. Hein, c'est pour ça que je me dis, des fois, il faudrait que j'y joue plus, que je trouve des coéquipiers avec qui jouer, et puis qu'on roule sur tout le monde. Et puis voilà. Enfin bref, je vais m'arrêter là, ça fait longtemps que je parle, là, j'en peux plus. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'est un peu différent de d'habitude, mais voilà, ça reste du basket, et puis voilà. Hein. Donc voilà, la prochaine vidéo, normalement, ça sera dans le mode ma carrière, là. Ça sera toujours dans le mode ma carrière, mais un match NBA. Avec mon perso, et puis voilà. Puis après le week-end, j'imagine une petite vidéo My Team avec Kevin hein, pour vous parler de ce qui s'est passé cette semaine. On parlera, je m'imagine, des nouvelles jaquettes du jeu qui sont sorties, mais, puis de toutes les cartes qui sortiront d'ici là et des nouveaux codes vestiaires comme d'habitude. Puis voilà, pour ça, je vous laisse. Pouce bleu, vous faites partager. Puis voilà, hein, bonne semaine. Et puis à la prochaine, les gens. Allez, au revoir.